Bonjour tout le monde, je suis Maëlys, étudiante sage-femme en troisième année. Moi, c'est Léa, je suis étudiante sage-femme en quatrième année et je suis aussi vice-présidente en charge de la communication au sein de la ESFA. Moi, c'est Céleste, donc je suis en deuxième année de sage-femme. Une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé de la femme, notamment de la périnatalité, mais aussi du suivi gynécologique dans la physiologie. Les études de sage-femme se composent de 5 années d'études, dont la première, qui est commune aux études de santé. Non, une sage-femme, ça ne fait pas que des accouchements. Ça fait aussi tout ce qui est avant l'accouchement, le suivi de la grossesse, ça peut aussi faire des échographies, tout ce qui vient après, dans le postpartum, mais aussi le suivi de la santé sexuelle et affective des femmes en général. Ça va de la contraception aux consultations de suivi gynécologique, par exemple. À vrai dire, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je me posais pas trop la question, mais je savais que je voulais être une interlocutrice privilégiée, en tout cas pour les femmes, et faire aussi de la prévention. Donc l'avantage des études de sage-femme, c'est vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet dès la deuxième année. On va avoir des stages, des travaux pratiques, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas que dans la théorie. Le petit inconvénient, je dirais que c'est des études qui demandent beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, donc il faut être prêt à se donner à 100%, mais ça en vaut totalement la peine. Donc l'AESFA, donc c'est l'association étudiante des sages-femmes en June. Donc elle représente en fait l'école de maïeutique sur Angers. Et c'est super intéressant parce qu'elle est en relation avec toutes les autres associations de sages-femmes en France. Et elle propose pendant l'année des événements auxquels vous pouvez participer. Conseil parce que c'est un super métier, c'est des études où on s'épanouit, où on voit les choses concrètement et voilà, c'est top.